Hello tout le monde! Comment ça va? Je vais participer aujourd'hui à un hackathon. On s'est inscrit avec Andrew. Pour ceux qui ne savent pas, un hackathon, c'est quoi? En gros, on se réunit comme un concours un peu. On se réunit pendant 24-48 heures. Et en gros, on fait un projet. Et notamment là, c'est sur le tourisme et le voyage. Du coup, c'est au salon de l'IFTM. Ça se passe à Porte de Versailles. Et du coup, on va rejoindre Andrew et deux de ses amis avec 42. On est une équipe de 4, il y a des lots à gagner bien sûr. Je sais plus à quoi exactement, mais je vais vous dire ça. Du coup, c'est principalement du développement, tout ce qui est lié à la technologie, tout ce qui est à l'ordinateur. Du coup, j'ai besoin de prendre un PC. Et on est parti! J'ai retrouvé Andrew. Salut! Andrew, j'expliquais tout à l'heure que c'était le salon de l'IFTM. Du coup, du tourisme et du voyage, et qu'on avait fait un hackathon en gros. C'est ça. Et c'est quoi les prix en fait? Alors, le premier prix il est de 5000 euros, ensuite, deuxième prix de 2500 euros, et dernier prix 1500 euros pour l'équipe, en fait, à chaque fois pour les équipes. Et tu penses qu'on va gagner? Bah, bien sûr. On se croirait un peu à l'aéroport, comme c'est le truc du voyage et du tourisme. C'est notre premier, donc on va compter sur vous. Ça marche. C'est bon. Alors. Bonjour, nous on est l'équipe SecSec. Alors on vient de différents milieux, mais. Bonjour, c'est Andrew. On est de l'équipe SecSec de l'école 42. On a trouvé le lieu, on est installé à une table. Et nous on est l'équipe qui s'appelle SecSec, c'est ça? C'est ça. Hein? C'est ça, équipe SecSec. On est 4, prêts à démarrer le hackathon. On va gagner? On va gagner. On va gagner, on va gagner. Bon appétit les gars. Merci. 3, 2, 1, partez. On a trouvé une idée, du coup là on va commencer à développer et faire le projet. Normalement le projet il dure 24 heures, il coûte 14 heures à 14 heures. Je pense que le soir on va arrêter un peu, on va dormir. Du coup là déjà en tout cas là je pense qu'on va bosser jusqu'à tard. Et là il est 16 heures et on commence enfin à développer, on a les idées. Je vous expliquerai plus tard quand on aura le projet en place. 5 hours later. C'est déjà le soir là, on n'a pas trop avancé pour l'instant. Il nous reste ce soir et encore demain. Mais bon, on va aller manger parce qu'on nous a donné des sortes de bons de 15 euros par personne. 15 balles. Et du coup, on va y aller parce que c'est valable que sur la restauration ici. C'est-à-dire. Comment ça s'appelle ici en fait? Je sais pas. Enfin, dans la zone. À pavillon 1, je crois. Ouais, dans le pavillon, quoi. Et en gros, je crois que tout commence à fermer. En fait, là, tous les gens ils ont fermé. Regardez, il n'y a plus personne. Et du coup, on va aller chercher un truc à manger à 15 balles. Je pense qu'on a le choix. Et on continue ce soir. Je sais pas si tu vas dormir ce soir. Je sais pas, mais là, c'est le moment de prendre les trucs gratuits, là. Oh là là, tu penses qu'à ça. Oh là, c'est gratuit. C'est pas joli ici. En gros, là, on va aller. Bon, c'est pas, on va peut-être aller voir parce qu'il n'y a plus beaucoup de restaurants. Et du coup, on va aller, je pense, au McDo. Mais bon, 15 euros, ça va être beaucoup pour manger McDo. Et on va peut-être prendre des trucs pour survivre le soir. Bon, on est dégoûté parce que le McDo, il est fermé déjà. Bon, tristesse, tout était fermé. On a dû se rabattre sur quoi, Andrew? Sur un Franprix. Finaise. Non, je rigole, ils vont acheter des kebabs, les deux autres. Et nous, on est parti acheter des petits trucs pour la nuit. Notamment une brosse à dents. Ouais, d'espoir. En fait, le pavillon va fermer à 8h, 20h. Et là, il est 19h45. Là, il est 45. Et en fait, du coup le problème, c'est si on n'arrive pas à temps, bah, ça sera fermé, on pourra plus rentrer. Donc, ce sera un peu bête. Donc, on s'est dit, il vaut mieux rentrer d'abord. Et au pire, si ça ferme, nous, on essaiera de trouver une sortie pour qu'il puisse rentrer. Et c'est joli, là. Ouais. Petit point, il est actuellement 23h. Je pense qu'on est un peu fatigué. Mais on nous a rapporté quoi? On nous a rapporté quoi? Regarde. Champagne. Fatigué ou pas? Ça va un peu, ouais. Oh, ça va pour l'instant. Franchement, ça va, mais je pense que dans quelques heures. Ok, bah je compte sur vous, je vais aller dormir moi, ok? Allez, salut. Bon, là il est 1h30. Je vais essayer de trouver un petit lit. Je crois que. Oh, c'est pas mal ça! Monsieur est en première classe. C'est la première fois.
Alors on disait avec Andrew, on pourrait faire comme Ibra TV. Genre, on est resté coincé 24 heures dans ce lieu que je ne connais toujours pas le nom. Bon, désolé pour ceux qui pensaient qu'on aurait le résultat dans cette vidéo. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour demain. Du coup, ce soir-là, je vais dormir. Et demain, on continue le projet. Je pense que demain matin, peut-être je vous expliquerai un peu plus en quoi consistait le projet. Je suis un peu claqué là, du coup, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Mais en gros, voilà. Alors, je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu quel était le projet réellement et également si on a gagné ou pas finalement. Parce que là, en gros, ça commençait à 14h et demain, ça finit à 14h et quelques. Du coup, 24h challenge. Et on va passer devant un jury pendant 4 minutes chaque équipe, on est 7 équipes. Et ensuite ils vont délibérer et on va voir un prix. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé si vous pensez qu'il y aurait des résultats aujourd'hui. Si vous n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos du coup. Et mettez un petit commentaire si vous avez trouvé ça marrant ou pas. Un petit like aussi, c'est cool. Allez ciao.